Brice. Oui. Allez quoi, comment est-ce? Mais pourquoi tu m'appelles déjà nostalgie? Ah oui, puisque je suis à nostalgie, il n'a qu'à prendre mes unités, il y a Benza. Oui, mon oncle, on dit quoi? Je suis venu arrêter les candidats, tu sais, sur quoi je suis tombé? Tu appelles quoi? Je suis venu arrêter les candidats et puis je suis tombé sur une réunion des vieux morts là. Avec Doussou, il y avait DG, il y avait Joël Amos Badi, il y avait Gomis. Bon, presque toute la direction était là, quoi. Après, moi, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit non. Dimanche là, au rue, dimanche là. Il n'y était pas de quelque chose, c'est ce qui était étonnant. J'étais avec Jean-Marie même. D'accord. Ah, les gars sont en train de. C'est Koloko. Par rapport à Africa, Africa là. Et... Hey, les gars sont en colère. On dit quoi? Ah, moi, bon, peut-être après, il faut l'appeler. Trouver une solution, on a dit de le virer. Avec l'Africa, là? Oui, on dit qu'il exagère. C'est comme s'il n'y avait pas une autre actualité à part l'Africa. Et si toute ta direction est Africa, il ne faut pas... Mais c'est pour rigoler! Oh oui, mais c'est pour rigoler, mais il en fait un peu trop. C'est ce que... Voilà. Bon. Oh. Peut-être échange avec lui, il va envoyer un mail pour s'excuser. C'est pas sa première fois, hein, Koloko, il aime bien ça. Non, non, oui, sur l'Africa, c'est pas la première fois, on le sait, comme il est supporté de l'Afrique. Ah. Donc peut-être après tu as l'appelé. Et puis il dit quand il l'encense, Chouken rit, Chouken se moque. Quoi. Vraiment, ils sont victimes d'une moquerie. Même ils reçoivent des messages par rapport à ça. Ils sont victimes d'une moquerie quand quoi, Chouken rit, sur quoi, Africa là. Oui, et les auditeurs, des gens envoient des messages. C'est comme, tu sais que le boss, il fait partie des gars de l'Africa là. Oui, les choses, troisième vice-président de l'Afrique. Ah, 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 et puis toi-même disais ça, c'est comme si c'était toi-même qui favorisais tout. Tout. Bon, je sais que lundi, demain, oui, peut-être demain, ils vont t'appeler et puis vous allez échanger. Moi, je sais que d'autres fois, tu fais signe demain. Ah, je te préviens déjà, quoi. Ah, ça, d'accord. Voilà, mais toi aussi, maintenant, quand tu vois que ça devient un peu trop con, toi, tu es le patron de l'émission, faut essayer de... Hein? Oui, bon, moi, je ne savais pas rester aussi trop, et puis c'est pas tous les jours. Quand il y en a, même depuis l'Afrique a été en Ligue 2, on n'en parle plus. Il n'y a pas un seul jour. Hein? Non, je... En tout cas, à chaque fois qu'il fait son journal de sport, là, il en parle. À chaque fois qu'il fait son journal, il en parle. Il va tout faire pour faire truc. Quand moi, j'ai tenté de l'interpeller, il a cru que comme moi, je supportais d'Africa, c'était... Oui, c'est ça. Voilà, il a pris c'était ça en truc. Bon, écoute, Brice, on a les 3 minutes. Et c'est bien, tu es sur Nostalgie, tu viens de te faire piéger et j'aime bien ça. Jean Cartier, vilaine. Vilaine, ton mot, il y a mon oncle. Vilaine. Oh, je suis trop fort. Je savais qu'il faut que je lime une autorité de ce pays. Il n'y a pas d'envoi diffuser ça. Voilà, oui, pas c'est Gréa. Ça, là, ça a augmenté mon salaire. Je ne peux pas laisser ça là. Il est loupé même. Porte-toi bien, bien, bonne journée, bien de piéger mon patron. Allez, tiens!